C'est l'histoire de Jacques, petit paysan qui n'avait d'avenir que dans ses cauchemars. Mais il apprend à réfléchir, et grâce à ses choix, il modifie son destin. C'est aussi l'histoire de Marie-Annette, jeune héritière déjà enfermée dans un avenir déterminé. Mais elle refuse la soumission. Libre dans sa tête, Marie-Annette ne s'en laisse plus compter. Les deux prennent leur vie en main, s'affranchissent de l'oppression et répondent à leurs aspirations. Leur atout ? La tolérance à l'égard des autres commence par la critique de soi-même. Leur point tabou ? Jacques, pensez à soi. Marie-Annette, pensez aux autres. Leur espace-temps, l'abbatiale de Belle-Olée et ses alentours, au XVIIIe siècle.